est-ce qu'elle nous a connectés ou pas? Je vais voir. Je pense que je suis connectée. Bon, t'es bande konanga. Hey, Bakongoman. Boya, on a tout nabino question. Boya na tuna to sola muke na tuna bino question. Mbote bandeko. Bonjour mes chers amis. Bonjour même pas bonsoir hein, parce que ba mingi toza na bonsoir. Ba mingi boza na ba butu, hein? Aha, moi ba na bimpa, hein? Rebecca, bonjour, bonsoir ma sœur. Amani Bagdad, bonsoir ma sœur. Bonsoir ma belle Rebecca. Comment tu vas maman? Tu vas bien? J'espère que vous vous portez bien. Bon, bande quoi bolingo? Ah, nazaki awo to mikolo na otala la nanga kaka ba documentaire. Ah, je regarde les documentaires. Hein? Tu sais, moi j'adore les documentaires, pour vous dire la vérité. Lorsque na lingi ko s'instruire, si je m'instruis beaucoup dans les documentaires, je regarde les documentaires, les choses qui m'instruisent. Nga penda bino mo koebi nga na bisaka bino depuis kalanga da za penda mo te ba pasteur te parfois je préfère na lekisaka tan na ngai na ba documentaire j'aime bien m'instruire bino mo biso ba kongole to za ba tupenda ko tanga 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 mingi te oui c'est bon il y a parfois je lis et puis makambo yer mo ko tanga na mutu na lembi ko tanga mais moi vraiment pour vous dire la vérité je m'instruis beaucoup na kati ya ba documentaire OK. Oui, aussi je m'instruis beaucoup na bato oh, peut-être bazana mayele hein so inazo solana bango nazali kozwa moi mayele pa ina bango nazo kama kambaza koloba j'aime bien écouter aux gens qui savent hein les gens qui connaissent qui ont des matières OK. Alors nazo ta documentaire moko awa sur Bachege OK sur les enfants de la rue hein ya Congo. Bon et tombe la nga ka boye pona mandota ba documentaire mususu ya ba israélien. Comment est-ce que les Israéliens bazako lona na ebisibino na kata ba désert les gens qui sont en train de faire l'agriculture dans les déserts na kata désert ba koti ba sali bilanga bilange koli na kata ba désert les gens qui vont s'installer dans les déserts et faire l'agriculture non seulement agriculture pour na ko nourrir Israël mais bazape côté kalibana na ba pays occidentaux. Les Israéliens qui sont en train de nourrir les gens dans l'agriculture au Bango Baza Kosa, dans le désert. Alors je regardais ce documentaire et je me dis, mais comment est-ce que. Mais les autres là ne sont pas les extraterrestres. Comment est-ce que Bango Baki Kosa là bas agriculture et dans le désert, Biso Batunzambe a pesa ki Biso, terre fertile, neti Congo, tout ce qu'on a l'agriculture. Mambia Soni. Anyway, de toute façon, ils ont une volonté politique. Parce que volonté politique, ils pensent que c'est ça. Moi, tout ça, l'appelle que na Congo, c'est ça. Lorsque vous avez des gens, des responsables qui ont cette volonté politique, Maramounio, c'est qu'on marche dans un mboka. Mais lorsque vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous allez faire? Même s'il y a des gens de bonne volonté. Na otio tiawana, na page nanga, vidéo moko, et ça, qu'on l'a qui ça, n'engue batou, bazo qu'on même pas qu'on. Ko sala transport ya ko bimisa ba goods ça veut dire biloko na ba province moko ko mangona ba province mususu. Bon ça veut dire quoi parce que même si les investisseurs veulent venir au Congo même si les congolais et même de la diaspora veulent investir au Congo oyo baza peut-être na volonté ya ko ya na ba mituka ya minene e ba na ko sala ba transport wana ya ko longola ka ba biloko na kati ya province moko ko mangona province mususu ba ko sala inspirer ndenge nini lorsqu'on voit les choses comme ça parce que baba balabala eza wapi. Les Congolais vont venir investir comment? Bah ouais, pour investir t'es. Mais de toute façon, comme je vous disais, Nazarota ba documentaire est belé belé. Moi, je me lance dans beaucoup de choses. J'ai regardé le documentaire ici à Israélien, avec technologie asika ko kolisa, et na science na bazako kolisa bazako sala ba agriculture na kati ya ba désert. Mais na eko kwela nani documentaire mususu sur les enfants de la rue na Congo, OK?
Alors, j'étais assis ici et je me demandais beaucoup de questions moi-même dans ma tête. Je me disais, bon, Bissoba Congolais, je pense que évaluation de Tosalakate, nous ne faisons pas les évaluations entre battants. Vous voyez, Nathan et Akala. Pourquoi est-ce que Bachek et Bazak ont existé, Nathan et Akala? Tant que Nathan et Akala, Nathan et Akoko, on a Bissot. Ok? Lorsqu'il y avait nos grands-pères, pourquoi les histoires de Chegue n'existaient pas? Ok? Est-ce que nous pouvons quand même faire la réévaluation? Comment est-ce que les sociétés anciennes ont géré les histoires de Yabana orphelins? Parce que la plupart des temps, Yabana orphelins ou bien parents qui sont des missionnaires, qui ont abandonné les enfants, ma famille, parce que mes parents, il faut pas qu'ils ne colloquent la vie, place mon sous, la vie est devenue difficile et tout et tout. Mais est-ce que nous pouvons un peu aussi regarder, peut-être, ce qui est au bandit total dans la société moderne, nous pouvons peut-être venir avec des solutions. La raison pour laquelle tu as la solution, je pense que parce que nous sommes en train de croire que avec l'évolution ou bien avec les choses modernes, les solutions vont venir. Mais nous sommes déjà là. Nous sommes en train de voir qu'avec ba mécanisme, ba méthode, ba solution, les choses se sont fait qu'empirer. Est-ce que nous ne pouvons pas nous ressourcer dans le modèle Yakala? Toi, nous n'avons ni dans la société Yakala. Comment est-ce que les gens faisaient pour se retrouver dans la situation d'Ozanangolelo? Nous n'allons pas nous dire que dans la société Yakala, les gens ne mouraient pas et laissaient leurs enfants. Oui, les gens mouraient et laissaient les enfants. Nous n'allons pas nous dire que dans la société Akala, il n'y avait pas Banza et tout le monde était riche. Nous n'allons pas nous dire ça. Mais pourquoi est-ce que Nathan ou Yakala, Banzelate, il n'y avait pas des orphelinats, il n'y avait pas tout ça. Nous devons quand même revoir. Peut-être la solution est dans les temps passés. Hein? Peut-être la solution est dans le temps passé. Nathan Yabako Konabiso, il n'y avait pas tout ça. Comment est-ce qu'il n'y avait pas tout ça? Pourquoi? Parce que façon de peut-être y a pour gérer ma société, ezalakinde soisson wana obiso to kima. C'est ça, nous ne voulons pas faire les évaluations. C'est ça, j'ai demandé une fois à mon oncle. J'ai un oncle qui est historien, qui m'aide vraiment beaucoup avec ma façon de réfléchir, de penser. Il s'appelle Tonton Mulikuza. Il est ici sur Facebook. Vraiment, j'ai demandé à mon tonton une fois, j'ai demandé comment est-ce que les gens faisaient avant avec des orphelins dans ma village. Okay? Parce que mon oncle, il est historien, il connaît beaucoup des histoires traditionnelles et tout et tout. Alors, mon oncle me disait que d'abord, le monde n'atteint un cala, okay? Parce que ceux qui t'ont n'atteint un cala, depuis le système ba mindele ya ko s'installer pa na biso système religieux et système politique parce que na yem sakabino toujours na biso ok système politique auto utilisé na Congo et ça système na biso te nos ancêtres avaient leur propre système politique et ce qui marchait pour notre civilisation et nos peuples ok mais depuis ba yela biso ba système ba mindele ya lokuta ya politique ya lokuta pour ba embrouiller biso pour ba mindele ba tika la ko ko gérer Afrique na sima ya ba système na bomba ko tika la biso mahamunyo se kuva ok alors mon oncle me disait au moins na système na tango ya ba koko na biso ya kala lorsque nos ancêtres mouraient ceux qui batou ba kufi. D'abord, les enfants étaient considérés comme les enfants de la famille. C'est toute la famille qui savait que bana oyo bazali bana ya famille. Donc, ce qui papa na mama bazate, la famille automatiquement devait prendre relève ou bien ba famille automatiquement, il fallait qu'il va prendre déjà ba responsabilité. Ok? Mon oncle me disait que même les enfants qui ne les familles qui ne pouvaient pas prendre les enfants étaient la propriété bana na bazaki propriété ya ba roi. Vous voyez, donc ceux qui roi existent, à besoin d'un chef coutumier, chef traditionnel, les enfants là devenaient automatiquement les enfants du chef coutumier ou bien les enfants du roi. Ce sont les enfants du village. On ne prenait pas les histoires comme si les enfants là on allait les isoler quelque part. Bakomabana yaba yaba ya orphelinat et tout. Les orphelinats n'existaient pas chez nous. Comme le loba orphelinat comment coexister. À l'époque de paravent. Nos ancêtres épousaient deux, trois femmes. Ça veut dire que ceux qui maman moko akufi, par exemple, bana automatiquement bazana maman moussousou.
une autre maman qui est là, qui doit les prendre en charge. Moi-même, c'est qu'on m'a dit, mon oncle qui m'a dit, tu sais, chez nous, moi je suis mouché, chez nous les Bashi, nos ancêtres, nous, à nous, épousaient les sœurs même. Nos ancêtres, mes ancêtres étaient, c'était plus favorable d'épouser les sœurs. Pourquoi? Parce que ils se disaient dans la tête, hein, écoutez, tout le monde peut critiquer, hein. Encore critiquer tradition, encore critiquer Ngolingi. Pourquoi? Parce que ce sont les blancs qui sont venus vous laver la tête avec leurs propres histoires, leurs propres traditions, leurs propres façons de voir. Bah, y'a les bino la façon y'a religion. Oh, les lobos allez qu'on pratique, vous allez qu'on ça la pratique y'a religion, ana. Et comme ça bino, beaucoup ma commune a ban y'a bandeko na bino baza bandoki, beaucoup ma commune a ban y'a africain baza bandoki. Ok? Bah, il y a une tradition, il y a une façon. Mais à l'époque, moi je vous dis, comme mon grand-grand-père avait épousé quatre femmes, et ces quatre femmes étaient des sœurs. Pourquoi dans les bouches on choisissait de marier des sœurs? Parce qu'il se disait que lorsque une sœur meurt, okay, les autres qui restent, elles n'auront pas trop de difficultés de garder les enfants de leurs propres sœurs. Donc, les Bashi, eux, ils préféraient, dans la polygamie, de se marier, d'épouser des sœurs. Parce que ceux qui ont une grande sœur, ils ont une koufi. Ceux qui ont grande sœur, ils ont une koufi. Ils ont une grande sœur, ils ont comme l'ennemi. Définitivement, il y a déjà cette lien qui te lie avec déjà les enfants de tes sœurs. Donc, tu les prendras et tu vas les élever et tu les aimeras comme tes propres enfants parce que bazali bana sœur na yo. À l'époque là, on n'est pas venu mal koko sabana basi koye mais sabango ke oh non religion et lobby mobali moko moisi moko. Donc ça veut dire vous êtes venu mutuna mutu fois protéger oyo yaye. Donc les femmes se sont mis dans la tête avec cette religion qu'on les a amené que chacun pour soi. Mobali moko moisi moko, on protège son homme, on protège ses enfants. Les autres, c'est la sorcellerie. Les autres enfants qui vont venir, bah yeko boto la biso loko na biso. C'est comme si les femmes aujourd'hui, bah si nous bazali ba religieuse normalement naïf ça rabino que la femme aujourd'hui ne voit même plus un homme comme un humain, un quelqu'un protecteur qui est d'abord non seulement protecteur pour son foyer, mais l'homme est aussi un protecteur pour la communauté, la société. On ne voit plus un homme comme un éducateur de la société qui peut s'impliquer pour faire le bien pour tout le monde, pour la communauté, pour la société. Yango n'est pas une abysse et baby. Pourquoi? Parce que même les femmes, pour envoyer son homme au front, et comme mobali nanga okende kunate, naboy mobali nanga basala eboy, mobali nanga bakobomaye. Abosa ni ke mobali wana, non seulement azali mobali oyaye, mais azali aussi protecteur, éducateur, ya société, ya communauté d'abord. Ça devient, eloko nangai, mobali nangai, bana nangai, mobali wana comme pinas nangai na kiko partager na mutute soki mobali nanga akeyi aboti kuna batu wana bakomi bandoki bakomi ba ennemi. Voilà cette religion, comment est-ce que la religion est venue détourner la tête de toute une société, la toute une communauté. Tandis que lorsque cette religion n'existait pas chez nous, il y avait pas les problèmes de bashege. Le lot problème ya bashege ayé avec la religion. La religion est venue même appuyer Kolobake, bana ya ba orphelin, bana ya bandeko, bana ba botami hors mariage, bazali bana ya bandoki, bazali curse, bazali bana oye bazali. C'est tout ce système là qui nous a amené, ya religion na, comment ça s'appelle, politique oyo, et ye ko bebi sa makamboulelo. Si nous pouvons faire un peu l'évaluation, mes chers amis, regardez à l'époque de nos grands-pères et à l'époque d'aujourd'hui, tolo ba vérité, époque ni nizamabe. Époque ni nizamabe. Époque oyo. Regardez à l'époque de nos grands-pères. Est-ce qu'à l'époque de nos grands-pères, il y avait des chègues? Vous allez me dire qu'à l'époque de nos grands-pères, il n'y avait pas de problème. Il y avait aussi, ils avaient leurs problèmes. Mais est-ce qu'il y avait des chègues? Bashege bazala kate. Bashege bazala kate ponen. Qu'est-ce qui a fait que bango bazaka na bashege te, malgré que eux aussi ils avaient bazaki peut-être kokufi sabatu, il y avait aussi des parents qui mouraient, il y avait aussi des parents pauvres, mais il y avait pas de chege. Pourquoi il y avait pas de chege? Aujourd'hui bashege bazali. Malgré soi-disant religion, bozali koya ko tangi sabatu kozala motema malamu. Est-ce que motema malamu il faut pas tangi ça kozala motema malamu? Si monter ma malam ozalite, parce qu'il y a un problème dans cette société, il y a quelque chose qui est venu vous détourner de la nature, il y a qu'on allait monter ma malam. Pourquoi monter ma malam est longue? Donc, bien, mon goût, ça veut dire que batia kala,
bazaki ko vivre na harmonie, bazaki ko vivre bien, il y avait pas de chege, bazaki mouté mamabe. Alors que lelo bati ya lelo, soit disant de bokoma ko sambela, bozana mouté mamalam po bokoma ko sambela, mais il y a des chege, il y a tant de chege, il y a tant de problèmes dans cette société. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux extreme wings? Non, non, la vérité là, vous n'allez pas vouloir vous regarder dedans. Bon, on a quitté parce que bon, yebi vérité zawapi. Les lois église, bah église c'est comme même quoi prendre batuke, bana bashege, bana ya bana ya bandeko, bakufa, bana baza bandoki. Wow. Nazota la ah vraiment documentaire zako la kisanenge bana baza na bala. Les enfants sont tellement abandonnés à eux-mêmes au Congo. Vous pensez que bana wana lelo botu lelo baza ba chege Congo est abandonné ou bien ba congolais biso société congolaise est abandonnée bon na balabala. Vous pensez qu'est-ce qui va devenir ces enfants demain? Vous pensez que le problème là va se résoudre comment? Parlons-en un peu. Problème à bana wana ko se résoudre ningeni na Congo wana. Parce que des années après des années pour makaba ba chege e bandi mingi e baby boy depuis tant ya musée à Koti. Bana wana ya bashegi wana ata ya muzeti lelo bakumi deja na bana ba 20 ans, ba 18 ans, ba 20 ans. Ok? Boye bisanga probleme ko se rezoudre nenge nini. Parce que bana wana baze ebele na kati ya société. Bakumi ebele tellement. Les enfants là, troma komona lelo, mutu akoma ko sala, moi orphelina. Mama moko amipesi na kwen na kati ya quartier, asali moi orphelina na ye. Na kati orphelina na yana zu peut-être bana 20, bana 30, parce que ko sala pe orphelina e komi loko la moi kop na Congo. Parce que yobi ke soko sali orphelina na yo, okobanda ko plede, babanda welo, basaki ya loso, basaki ya fufu, n'est-ce pas? Omona mama moko fanda na bana 12, 15, 13, asala orphelina na ye, ye moko na ndako. Bosiko bana wana bafandi bana 20, 30, 25 bafandi na orphelina pa mama wana. Suivi ezalaka te. Donc bana wana bafandi wana kaka basakana kana moyi na bapoko wana bapesi bango mwakopo ya bui. Donc bapesi potopoto bameli bakena bango kolala. Les enfants qui sont délaissés, ils ont besoin de l'amour, ils ont besoin quand même ya moi ba câlin. Baza elo kote. Qu'est-ce que nous pensons que deviendra ces enfants demain? Les enfants là, ils deviendront quoi? Et l'autre côté, tozoko monate que tozali kaka ko préparer Congo ya lobby ya mabé. Ba maman wana pe bazoka bana wana nakati ya ba orphelina ndenge wana. Tant que toko koma par exemple, bana ba okoma na ba 13 ans, 14 ans, 15 ans, ça veut dire que mwana na komi adolescent. Tant que komi adolescent, ça étape mosusu ya vie ya mwana. Oyo, il faut suivi, il faut balandelaye, et tout. Moi, na komi mutu makasi, parce que komi ko réfléchir, ki a komi na ba ide na ye moko. Qui va faire le suivi pour ses enfants? Yango to mwana banana mingi, soko mwana ba orphelina, o mwana bana mingi orphelina, bazaka ya mike, ya mikolo bazalaka mingi te. Parce que ba wana mikolo, na ba komi tango ba komo ko kse ba 14 ans, 15 ans, 16 ans, ba kimi. Pourquoi? Parce que mama wana zana orphelina wana, ayebi ko kamba bango li susute, oyo kakaka, oh, banango, bakoma mitu makasi, ba prefera na bango baba na kofanda libanda. Parce que akomi adolescent, moutoute azo comprendre ye. Akoli d'abord, en akati a difficulté, moutoute a pesa kie bolingo, et tout. Tant akomi na ba 13 ans wana, akeine na balabala, akomi shege, siko akomi véritable shege. Tant qu'on véritable chege, nani yango, na société na biso ya ba Congolais wana, nani yango alandela ka vie ya bana wana ya ba chege, tant qu'on bazala ka na balabala wana, après ko zala chege, qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants? Qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants? Nani yango ko pesa biso statistique ya ba chege wana, ou bien tant qu'on après ki chege wana ya ko beta batuna ba balabala, ko sala mobulu wana ya na ba 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, na ti ba 18 ans, ba 20 ans, ba koma ka banani. Qui connaît où vont ses enfants? Personne n'en connaît. Mais si je peux même réfléchir où vont ses enfants, je peux vous dire que ces enfants-là, on les adhère. Nakatia basoda, bakomi sa bango basoda, bakenda ko adhérer bango nakatia armée. Donc, bana o bazalaka ba chege, bayebaka bolingote, bakomaka ba violent, bakomaka koyiba batuna babalabala, bakomaka baza abandonné par la société. Tango yokoma era okoma mukolo ba okendo sani ko sanrole na kati ya arme. Siko mutu oyo alekisa ki vi ya ndenge wana ya banditisme ya tout ça boke kokomisa na arme bo pesi mandoki. Regardez là où se trouve, regardez paf ya problème ya Congo, regardons. Parce que sopo tali na Congo, bato bakena ko sanrole po bakoma basoda.
So otali bendeza batu normal te. O mwana atangaki, akomi, asilisi high school, akeyi abandi université, ba parane ba ke balubine ake ko s'enrole ako koma soda. No? Bano mingi baki na enrole bango na soda, ezal kape bana oyo, mitu na bango, ezo ko sala lisusu bien te nandaku ba paraba oko kaso edikasyon te, oyo kabio, mwana wana totinda kie ki soda. Oui, oui. Ah, mwana komi mobulu, eh. Tozo ko ke lisusu te, antuka to lingi lisusu te, okomi bandi kende ki soda. Donc et pas inabiso soko kokili susu mwana te ça veut dire que place na ye comme une place à kisoda ça veut dire que nakati ya basoda na biso ya Congo tokoma ko recruter kaka bana ya mabe ba fruit ya mabe tokoma ko recruter ba fruit ya mabe nous allons nous demander pourquoi peut-être pe basoda na biso pe bazoko kokate oui quelque part ezali ba responsabilité ezali partager na armée na biso tozali na ba infiltré mais quelque part aussi. Quels sont les genres de soldats que nous sommes en train de recruter pour naba kende armé? Bana wana ba uti wapi? Batwana ba uti wapi? Bande ko makambo ya ba shege oyo na zoe bisabino. Soki bokoti botala ba documentaire makambo zole kana pona ba shege na Congo eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Ba orphelina eza na Congo eza mawa mingi. Eza makambo ya pasi, makambo ya pasi. Ba kongole tofandi na ba église nzambe pambola biso nzambe pambola oh mikolo nyoso ba probleme mais nous avons des problèmes dans la société qui doit nous interpeller ba probleme ba orphelina biso ba kongole tant tokenda ko sambela nzambe ningona mikolo nyoso est-ce que ba pasteur na bino baza incapable ya ko faire bino comprendre que nous avons des orphelinats ici et vous qui venez dans les églises vous avez quand même malgré vous venez dans les églises vous avez quand même des familles vous avez des toits n'est-ce pas. Oki koya oui ozaka na nzala. Batuming baka na ba église wana oui tu y a des problèmes et tout mais la plupart na bino bozaka même na moi stabilité ko lobake. Ozala ka moi même na moi bikoko moko bo foot et la kolala ka wana n'est-ce pas? Parce que la plupart na boza ba parents boza na bana wo batobo ke na ka ba église. Est-ce que c'est un peu compliqué que ba église na bino banda côté ya bino pe bolingo ko expliquer bino ke nous avons des problèmes ici dans notre société et l'église aussi peut s'impliquer ya ko banda ko yebisa ba bandimi parce que c'est à l'église ba to mingi ba kongole ba kenaka nene ba église et puis ba kongole mingi ba croire ka na église. Est-ce que l'église ne peut pas aussi s'impliquer pour na ko yebisa ka ba kongole ko apprendre bango bolingo na sens que nous avons des problèmes aussi dans la société. Nous allons pas venir seulement ici vous prêcher mikolonyoso nzambe akosala Yesu akozonga Israël. Nous pouvons aussi nous impliquer à commencer à voir comment est-ce que nous allons nous impliquer na kati ya société na biso to longo la peine ba problème. À s'impliquer, vous pouvez aussi adopter les enfants orphelins. Pourquoi est-ce que ma pasteur ya ba église et ça na difficulté à faire bino comprendre que ce n'est pas Jésus que vous allez aimer et ne pas aimer les orphelins parce que Jésus c'était aussi un enfant adoptif. Ce qui Jésus ba pesa ka ye chance té ya ko faire ya ko adopter ye na nani na Joseph. De Jésus a vivre kate. Pourquoi est-ce que le pasteur ne peut pas voir cette relation ya ko pour na ko encourager ba ndimi ya ba église. Pour na ba na kati ya ba ndimi na bino ba église wana boza na ba famille belé télé kilikili. Que les enfants, leur place, ce n'est pas dans les orphelinats. Les orphelinats n'est pas un endroit organique pour un enfant de grandir et flourish. Un enfant ne peut pas grandir dans l'orphelinat. Biso ba tofani na ba société en apoto toyebi ke ba orphelinat vraiment existe ka les sociétés. Ba orphelinat en apoto existe ka les sociétés parce que les gens ici ils ont compris que moi na fiko fana na orphelinat te kokola na orphelinat. Na awa na ba poto ba koma ko sala ba système et ba benga ngo nini ba maison ya accueil, ba maison oyo et boki ko yana bana wana mais en attendant bana wana il faut ba lukela bango ba ndaku permanent ou bien non permanent est-ce que ba okende tamba banda ko étudier situation en mwana na pourquoi mwana na za na condition. Vous comprenez? Ça veut dire que bayebi ke orphelina ezali placité organique oyo mwana oki ko fanda. Pourquoi est-ce que les églises congolaises? Parce que pourquoi na lobe l'église congolaise? Parce que naza ko lobela na ota la sikona situation otozali tozana na gouvernement ezali irresponsable. Comme le gouvernement est irresponsable et comme on dit que la société it takes a village to raise a child. Ça veut dire ça prend tout un village pour na ko élever bana. Pourquoi est-ce que les églises ne peuvent pas aussi jouer leur rôle? Pourquoi est-ce que rôle l'église il faut za la kaka ko sengaka ko la sakabatu ba satana ko linga ko manipuler bat. Pourquoi est-ce que l'église ne peut pas aussi s'impliquer à voir comment est-ce qu'il va ki ko épauler na ba société na ba problème mususu.
Tous les enfants là qui vivent dans les orphelinats, pourquoi est-ce que bah église et au qui kolobate que au moins bah na wana bah fin bah orphelinat. Biso église to kolunga ko s'impliquer to banda ko éduquer bino ba mama to éduquer bino ba boti to sa to za la exemplaire exemplaire na façon nini bana wana eska ba fandi kuna bazana besoin ya bolingo bazana besoin ya ba famille parce que to linga ngote bomoni bana ba fanda kana ba orphelinat kuna ce sont nos enfants congolais bazaba na oya biso ya ba congolais ce sont les enfants congolais to linga ngote bazala ba orphelinat bazala ba parents ba ba abandona bango bazaki ba responsable d'abord ce sont les enfants congolais. Ok? Et comme ce sont les enfants congolais, nous devons tous s'y mettre pour voir solution ni ne kobima pona bana wana. Parce que babi, batu bazali responsable na yo na mokili, ezali baboti, soki baboti ba échoué, gouvernement, soki gouvernement échoué, société pe, society, société donc biso, village, to komi village. Quelles sont les solutions que ba village neti société ba village neti ba église ezoko ya nango poto e ba ko résoudre ta ba problème sous obiso moko to ki ko résoudre na niveau na biso sans peut-être de gouvernement. Est-ce que l'église ezali ko te ba congolais bolingo wana ya moninga ya congolais? Non, ba église eza ko te ya te. Toki ko kende ko prétendre te ko linga Jésus oyo to yebite to mona yete alors que to yebi ke Jésus azana histoire ke ye moko pe azalaka un adoptif mwana adoptif. Ça sera même bien ce que l'église et bandi côté ya batuba adopté bana ba congolais parce que l'exemple est tellement simple boko bisa bango bibolinga ka Jésus non oui to linga ka Jésus. Est-ce que vous évitez que ce qui Jésus pe nani Joseph a pe sa ka chance tende de Jésus pe a ko peut-être ko vivre té. Donc biso pe to pe sa bana na biso chance ya ba congolais to zwa bango to adopter bango to tie bango na kata bandako. Non, ce sont les églises même qui encouragent les congolais ko yisa bango ke bana wana bazaba na bandoki. Ah, église. Ah, ba église ya ba congoman. Donc ce sont les églises même qui encouragent que le mal reste dans la société. Le mal reste dans la société. Nous ne pouvons pas venir aider, épauler la société, la communauté. Nous ne pouvons pas venir aider. Non, nous devons s'assurer que société on est égal à kanakati amabe pour biso to ko continuer ko profiter na mabe wana. Ba kongomani. Bana biso ba kongole baza libanda. Ces enfants là qui sont des orphelins là ou bafay nakata ba orphelina bana wana bazana ba droit ya ko vivre comme tout autre congolais. Bazana droit ya ko vivre comme tout autre congolais. Mboka na bango ya coltan, mboka na bango ya or, mboka na bango ya magnesium, soki magnesium, mboka na bango ya nyonso. Mais bana wana bafanda kana orphelina et puis panem quel orphelina d'abord. Ba orphelina ya ba mama oyo, bakoma osala kaka orphelina ya kop. So ebo yeli mama wana mbongo, azui mbongo wana tie na poche na ye, asombi bilambani, asombi biloko na ye, bo yeli mama wana, paske ba orphelina msusu bakenda kabotike lengo basaki ya fufu. Bazui basaki ya fufu wana ba teki. Bakoma kolambe la kaka bana wana ba poto poto. Paske kontrol pe zate, gouvernement pe eksala ka kontrol atate, suivi ya ba, omu atawa ya ba orphelina wana, ba eba eza wapi, eza kombien, bana ba vivra kanenge nini. Service social ezalite. Et le baquet, ok, bon, le gouvernement peut dire aussi que si on a un moyen, mais tout ce que nous pouvons restaurer peut-être, toi, il y a au moins un orphelinat, oyo, oyo, ba maman, oyo, ba kouma kouzoazo, ba orphelinat, oyo, zali combien? Nous allons commencer à envoyer quand même les gens des services sociaux, baba na kouke nko kenda kakuna, ba s'assurer que ba orphelinat, oyo, zana bonne condition, ba na bazali bien nutri, ba na ba don, ba orphelinat, ezwaka. Est-ce que badon wana kenda kapona ko servir bana wana et tout mais nous devons quand même chercher à organiser les choses. Ou bien les gens qui vont commencer à donner aux orphelinats congolais, ils doivent donner ba pesi département moko boyo bien payer ces structurés lobike ba tunyu so ba enda ka ba orphelinat congolais ba na kotina na mbongo place oyo pla à partir de place wana service wana ya eso ki pakana ba orphelin et ko ba ngene ba da ko distribuer chaque mois biloko ya kolia na ba orphelinat. On ne peut pas quand même s'organiser ba mama congolaise otoza ebele awa.
Tofandeli masolo kaka ya bizo koloba loba 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 loba. Ça, ce sont les choses que nous pouvons nous impliquer. Surtout, baobo sa nakata ba église. Ba mama pasteur ya ba église. Moussa na bino kaka kofanda, kolata ka mikolo so mama pasteur ayaka. Chaque week-end, ba mama na balata kaka bilamba. Donc, les gens viennent à l'église seulement pour montrer qu'ils sont habillés. Mais pour organiser les choses sur terrain, voir comment est-ce qu'ils vont s'impliquer vraiment dans le travail de Dieu là. Ba lingite. Ce qui peut balinguiter, ce qui peut la compétence, ce qui peut balinguiter, c'est que nous devons continuer à faire tout ça pour comprendre. Et aux Congolais qui sont à l'extérieur. Ba Congolais baza libanda awa. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Conversation na sala na Denise Nyakeru. OK? Conversation na sala na Denise Nyakeru. Na sala na Denise Nyakeru à propos ya réforme. Réforme ya ba orphelinat na Congo. OK? Et ce que je suis en train de vous dire, Nyakero elle ayemi makamunga na yeto solo la kanaye. Pour la réforme ya makambo ya ba orphelina na Congo. Les enfants de la rue biloko ya ba chege. Ça ce sont les choses qui peuvent s'organiser sans vraiment kolobake koluka ba millions de ya ba dollars kotia na kati. Ça, ce sont les choses qui peuvent se faire. S'il y a la volonté politique, et il y a aussi la volonté des peuples congolais. Parce que je ne pense pas que biso tant que ba congolais, tozali ok, comme on a que tozana problème tellement ya ba na ba chege, balala kana babala bala. Ça, c'est l'avenir du Congo. Tolingangote. C'est l'avenir de ces pays-là. Banana bakokoma ba mikolo, bakokoma na kati ya société, bakokende kokoma ba soda, bakoma na zola biso ba mandoki, baba na koboma biso, parce que ce sont les enfants qui n'ont pas eu l'amour, ce sont les enfants qui vont terroriser les gens, ce sont les enfants qui vont se marier encore avec d'autres enfants, qui sont les enfants qui ont peut-être habité dans la maison, qui, problème ya société, je vous dis c'est tout un problème. Na sola kana Denise, la bena kana na sola kana promet à réforme oyo ya les enfants de la rue ou bien ba réforme oyo ya bana ya bashegi. Makamona zoe sabino na bisaka Denise, nga bina mais tu yo lokolo comme première dame par exemple, tu peux parler aux églises parce que oza quand même na voix, tu peux influencer les églises. Ko benga église lo bango toza na problème oyo na kata société, j'aimerais quand même que nous travaillons ensemble. OK? Bakoyo kayo, parce que ce qu'on a première dame, bakoyo kayo, ils vont t'écouter, ils n'ont pas de choix, parce que, et par la bise, ce qu'on a première dame, ou bien zaline moi mou kondi, bakoya ko linga koyo, ko flatte yo. Donc, il faut utiliser, nani, titre o, ba pesa ki yo wana, o luka o, maximiser as much as possible. Benga église, benga ba église, solo la na bango, yemisa bango ke, problème tozali nango eza problème ya bana ba chege na ba orphelin. Nous voulons quand même voir comment est-ce que nous pouvons épauler ou bien to longola nanu to ebanenge trotia maboko to bongisa nanu likambo oyo parce que bano bazaya biso ya ba congolais. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Ba oyo bozarda ba église parce que ba congolais ba yoka kabino. Les congolais écoutent aux églises. Maloba ya pasteur eza maloba ya nzambe pour la congolais. Maloba ya sango pour la congolais ezali maloba ya nzambe. Soki ba sango babandi ko prêcher na église, ko expliquer ba église petit à petit commencer à préparer la société. Petit à petit commencer à préparer les gens de vos églises. Tolobi te ke lelo mbala moko kaka boye ba église lobi ah bo adopter ba noyo ale bozui ba babandi ko. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça doit se préparer. On doit préparer cette population. On doit éduquer cette population. Même les gens qui vont accepter d'adopter les enfants congolais, ils doivent apprendre. Il faut pas qu'on ait une classe. Ba classe oyo et qu'on prépare bango qu'est-ce que ça veut dire accueillir un enfant, adopter un enfant, ces enfants là comme ils sont restés longtemps na katia ba orphelina, ils ont adopté des comportements là-bas qui pourra vous sembler bizarre, ils peuvent adopter des façons de voir les choses, ça veut dire bokomona boy bokomona, c'est tout une préparation.
Parce que n'importe où, même pour adopter un enfant, bah adopter comme tout est malamoko qui est le bio qui est comme ça kuna et bah comio et tout non non ce sont des séances bah quoi ça va même bah classe les parents adoptifs bah qui n'a pas classe bah qui n'a pas séance y a bah classe bah parce que vraiment bah classe bah cours après déjà ceux qui aussi au l'équipe classe wana bah l'équipe sur bah examen bah t'as là ceux qui au comprendre quand même les camions aux alliés comme ça là ou bien avec quoi tu vas faire face à un enfant qui va venir dans ta vie, il y aura ce genre de challenge et tout ça tout ça tout ça, on les prépare. J'avais fait cette conversation avec Denise Nyakeru na yebisaka Denise. Denise, oh non, je ne sais pas si ça va marcher au Congo. Ça ne peut pas marcher au Congo. Parce que déjà, kuna na Congo, lokola déjà bandoki. Première dame, yoka, yoza première dame. Comment est-ce que première dame, au qui encourager déjà, que balobaka déjà, que bazali ba bandoki. Ça, ce sont des enfants congolais. Baza la bandokite, mais ça ne doit pas être façon ya première dame ya ko réfléchir. Ce sont des enfants congolais, olingo olingangote bazali bana ya ba congolais d'abord. Ça veut dire que même si baza bandoki, même si baza ba handicapé, il faut Congo eluke la bango solution. Yango wana ba pesa ka mutu mokondi, yango wana ba pesa ka mutu kisi ya bokondi. Parce que okomi, batu wana nyoso, ezala handicapé, ezala ndoki, ezala nini, akomi na charge na yo, donc yo il faut luke la solution. Bon, et puis pour dire que balobaka déjà bazabandoki, c'est parce que vous ne voulez rien à faire avec cette affaire. Vous voulez vous en débarrasser. Ce n'est pas votre problème. Vous voulez pas vous chercher des situations, des solutions pour ces problèmes. Alors que ubana wana bazali avenir ya lobby ya Congo. Quel avenir nous allons avoir avec ces enfants qui sont dans la rue? Quel avenir? Avenir exact. Ceux qui m'ont dit que na Congo kuna bazoka bango bandoki. Bon encourager bon le système, bon tiens système sur place, comme ça bon encourager bah congolais au yo baza à l'étranger, bah congolais au yo baza quand même dans bah espace, ah on a bah poto bah lia kabien, ah on a bah poto bah koki koya na bah na wana bah tiens bah on a toti bah on a kada bah service awa, bon encourager bah congolais bon fongola adoption, bon ben ça bah congolais chance, oh baza libanda, oh alingi ko adopter moi na outi Congo, ou adopter légalement, oyé naie légalement, Non. Tout ça, ça ne vous intéresse pas. Bolinga bana ba Congolais ba fanda kana kata ba orphelina. Bolinga bana ba Congolais ba kufela na kata ba orphelina. Bolinga bana ba Congolais ba koma ba chege. Hein? Ce n'est pas parce que ces enfants-là sont nés avec des parents irresponsables. Certains sont nés avec des parents irresponsables. Certains sont nés, les parents sont morts, que vina bango et foué beba. Non! Ces enfants-là n'ont pas choisi de venir comme ça, sur cette terre. Ces enfants-là n'ont pas choisi de devenir des orphelins. Ces enfants-là n'ont pas choisi d'être nés par des parents irresponsables. Ce sont des victimes. Bazaba victime, il y a circonstances, il y a vie. Ça veut dire que ce n'est pas nous encore, la société, les gens, les églises, les gouvernements, la société qui va encore punir ces enfants que nous commençons à tout prix qu'on faire bango voir que bazaba ndoki. Mais ça c'est quelle société ça? Ça c'est quelle société? Société nini oyo bandeko, société nini. Bandeko, makambo ya bana bashege, eza problème sérieux na mboka wana. Eza problème sérieux na mboka wana. Il y aura l'insécurité dans les jours à venir. Bana ya bashege nyonso oyo. Eza insécurité. Parce que nous sommes seulement en train de lever les bombes à retardement. Eza ba bombe à retardement. Bana wana bakokola na famille nini. Un enfant doit grandir dans une famille. Mwana il faut akola na kati ya famille. OK? Mwana il faut akola na kati ya famille malgré que ezali famille na biologique te, il faut akola na kati ya structure na couverture ya famille. Ayebi ke ezali na mokolo responsable oyo ako yeba ko guider ou bien ko lande la vie na ye. Oui, beaucoup de gens vont me dire ici, oh non, bah Congolais, bah Congolais, bah ça la difficulté à relier sa balle à Nabango. Mais la plupart des Congolais, ils ont les difficultés, mais ils ont quand même l'air toyeboité. Bah on a la difficulté à relier sa balle à Nabango, bah on a bah Kima bana, bah on a bah Koma bah Chege. Mais il y a quand même ce qui tient quand même. La plupart des Congolais sont avec leurs enfants malgré pauvreté, ils sont avec leurs enfants. La plupart des Congolais continuent à faire des enfants
même dans la pauvreté, au moment la famille est congolais, mingi basa na pas moins à bas na 5. Ça veut dire que quelque part vous êtes encore en train de tenir et puis vous pouvez aller chercher pour vos 5 enfants, pour adopter un enfant congolais, Parce que vous êtes déjà bas na 5. Problème est ça, parce qu'on a adopté il y a 6e au yé na yé, bah quand même 6. Parce que si on croit qu'on laisse bas na 5, ça veut dire qu'on laisse bas na 6. Nous ne voulons pas résoudre les problèmes à notre niveau. Non, non, nous ne voulons pas voir comment est-ce que nous pouvons résoudre les problèmes à notre niveau. Bah excuse, n'a pas excuse. Eh, moi, en tout cas, n'a pas qu'à n'abasser mon sous balobak babi. Ah, n'a pas 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 Mais yo linga raye su ndenge nini soko okokoka ko linga mwana wa ya mutu mususu te abotaki. Vous voyez l'hypocrisie un peu des gens des églises? Ce sont les gens des églises qui réfléchissent comme ça. Qui ne veulent pas s'impliquer dans les solutions de la société, de la communauté. Yaya we ba na batwe ko boko la ba batu pasie, mwana mutu te wana zali mwana orphelin. Azana papa te azana mama te azana liboso te azana simate. Hein? Donc yo azana amour te yakoboko la mwana moto mususu bon yo soko kufinde konanga. Vous qui sont des parents d'abord qui donnent certains arguments comme ça. Vous êtes des parents. Baho ba parents ba kufa kiesi mo ba eba ki ba kufa peut-être po bana ba ba za la ndenge wana. Vous ne pouvez pas vous mettre na place ya ba ninga na bino. Toi, réfléchis d'abord. Ferme tes yeux. Tu as tes 3, 4, 5 enfants. Ferme un peu tes yeux. Mitala nenge olali okufi lelo. Et que des choses arrivent brusquement, tu ne sais pas. Et que ce sont tes enfants qui se trouvent dans ces conditions. Et que quelqu'un d'autre dit, ah, ngana koko kate, bison son société to boy tobi. Bison to koko kate, na koko kate ko boko labana abato. Ah bon? Moïse oyo a sauvé kabana Israël. Po bino boza bo na ba Bible boza ka danze. Mais vous ne voyez pas ce qui s'est passé dans ces livres là des Bibles. Moïse a sauvé kabana Israël. Oya koma pe sauver na bino. Moïse a sauvé kabana Israël. Moïse a sauvé kabana. Mais Moïse a été adopté. C'était un enfant donc sa maman avait laissé partir mwana ya Rwanda a adopté Moïse. Ce qui mwana Rwanda lokota ka Moïse wana na mai wana alwaka ye pa bomaye na kokoka ko koboko la mwana ya mutu tende Moïse akoma ka Moïse de Moïse akokaka ko libérer bana Israël. Hein? Si les gens là qui ont adopté ces personnages là de la Bible avaient refusé, ils avaient le mindset comme votre mindset, est-ce que lelo bonge boye ba personnage wana ya ba Bible bonge boye ba bangote? Si tout le monde était méchante comme vous, so iba nyo sbaze mi te mama belo kola bino. Bana wana, bazalaka, bana wana waya ba orfele wana bazalaka, ba orfele wana bazalaka, soko yene nakata nda kumama, ako yako baby sela yo bana, ako ya meme kolie la yo bana, bana na bazalaka bandoki. Me mwana oyo akoli nakata orfelina. Est-ce que vous comprenez au moins comment est-ce qu'un enfant qui a grandi en dehors des structures de famille, un enfant qui a grandi dans les survies, un enfant qui a grandi sans amour, est-ce que vous pouvez comprendre au moins comment est-ce que cet enfant fonctionne? Cet enfant ne peut pas fonctionner comme un enfant normal. Même si vous l'amenez dans votre maison, cet enfant, ça lui prendra beaucoup des années. Et ça doit apprendre, ça doit être quelqu'un qui a vraiment un bon cœur, quelqu'un, mais c'est même pas seulement un bon cœur, hein. Je pense que Mutumoko Azali spirituellement Nzambe appelle ça un gift quoi. Pour oyeba koyeba ke mwana oyo Azali pas un enfant comme tout un autre, il peut pas azana capacité à se comporter comme tout un autre enfant parce que enfance n'est difficile, auti na place moko ya structure ya difficile, auti na place ya survie, ça veut dire ça lui prendra même des temps. Même si vous adoptez cet enfant, il vient dans votre maison, il ne peut pas se comporter aujourd'hui comme un enfant normal. Ça lui prendra des temps, beaucoup de temps. Et ça doit vous prendre beaucoup, il faut avoir patience ya makasi.
patience ya makasi, bolingo ya makasi, moto moko to bandiko, obandiko analyser makamuso so, oh, mwana ngot, soka lali, parce que na yoka batu mingi balo baka wabiyo, no, autaki bana moko kuna na Congo, bana ngosango bayaka nandaku, mwana zako lota, zako lelaka, lelaka, mais vous savez pas, c'est que les enfants là vivaient là-bas au Congo, lorsque un enfant vient dans des familles là où des structures sont bizarres, un enfant qui vit que de survie, un enfant qui, donc, mais yoka nisa wando lala, o lota bando ta bien. Mwana na kolo ta akola la talo ta bando ta ya biente. Soka lali nanda kuna ya bandi ko ganga nakata buto e pa zoko lota je ne sais pas akolo balo banakata buto. Mais il, cet enfant vient de structures qui ne sont pas, qui n'étaient pas normales. Banana ya bando ki wana na banda kuna bisote. Oko ya nae buena banda kuna yo boe. Omona muke muke ba na oba bandi ko bela. Omona bana na oba bandi ko bela. Ah ba mama. Bino batuboke na ka eglise. Me mikolo nyoso kaka ba esprit na bino kaka ya bando ki. Mikolo nyoso esprit na bino kaka ya bandoki. Bandoki batika kabinote. Vous voyez les diables partout. Vous voyez les diables dans les enfants. Vous voyez les diables partout. Donc même les diables vous interdit de faire des bosala musala oyo nzambe atinda ki biso to sala na mokili. Bandeko, c'était seulement pour vous dire nazaki awa na ota la documentaire na ngana za ota ba documentaire. Na moni documentaire oyo ya ba enfant chegue, ça m'a vraiment fait réfléchir, bo, ça m'a vraiment fait réfléchir. Nabika parce que moi na ba Congo wana tozana batu ya oyo baza ba kuki ko influencer certaines choses, mais baza na volonté te baza moté mamabe, on ne peut pas, les gens qui ne veulent pas s'impliquer dans les choses qui seront les choses qui vont amener les changements durables. Les choses qui vont amener les changements durables. Kokena kana ba orphelina, kokabela kabana basaki, kokabela kabana, je ne sais pas, basaki a fufu. Ce ne sont pas des changements durables. Tala batu lokola ba olive. Oh, olive a sali orphelina, azaka na orphelina kuna na goma, akenda kakuna, une fois par an, deux fois chaque an, ake kofanda kuna, baliena bana wana, mama olive a fani wana ba orphelin, baza kolia, 250 enfants par an zwa, afani sa ba wana orphelina. Mais, quel est ces parents-là qui pensent que, mwana wa afani na orphelina, azali mwana akokoma normal? Qui est ces parents-là? Olive, elle n'est pas dans la maison avec ses enfants. Elle est dans la maison avec ses enfants. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'un enfant peut développer dans un orphelinat? Moi, à quoi l'orphelinat a au col, à quoi maman a normal? Tout ça, c'est pour se moquer des Congolais. Et puis, on va dans les orphelinats, on mange un repas avec ses enfants, et les enfants là, de l'orphelinat, on fait des photos, on vient nous mettre sur Facebook, et puis on part, on dort chez elles, calmement. Les enfants là, des petits enfants là, on va dans les orphelinats, on va dans les orphelinats, on va dans ngana koko kate kokende orfelina na kende wana na fanda na bebe na moni bebe na orfelina na fanda na bebe ya 9 mois 6 mois na memie 6 mois je vais le laisser encore là-bas, je vais encore partir, je ne sais pas si cet enfant moi na 8 mois wana o azana besoin ba memaka tout le temps, azana besoin en chaleur, azana besoin en bolingo na tiki eli susu, je ne peux pas aller dormir et osala nga pas ya mona koko kende orfelina te ya nga na sala ba mukono na okende Congo. Il faut adopter moi. Oui, il faut adopter bébé dans le Congo. Je connais que le Congo, il faut adopter bébé. Il faut adopter. Attends, moi, quand tu as mis balé, tu as mis ça. Si les moyens permettent, je peux même adopter 5. Donc, ma maman, on a bien d'accord. On a aussi la carte de photo. On a un bébé à un Congolais. On a mis bébé à 9 mois. On a mis bébé à 9 mois dans ma boko. On a une difficulté à retirer. Et pour qu'on quitte ça, et pour qu'on évacue, on a fait un mot. On a dit que cet enfant ici qui a 9 mois, qui est vulnérable, qui a besoin d'amour, tu la laisses comme ça. Et donc. Et puis, moutouté à côté de la sauce comme maïe, parce qu'il y a un orphelinat, wana, bana wana ba fanda ka wana, si tu es un bébé wana. On les porte pas, on les donne pas l'amour. Batika kabang wana, baza kolela, balela ka toute la journée, ces enfants la pleurent. Parce qu'il y a personne pour les porter. Il y a personne pour porter ces bébés. Les gens qui, bah, oh, beaucoup, tout, n'amour, kabamou soussoua, wa, moi, anabiso moko, bo, na pesie chapeau, moi, anabiso moko, bo, ya congolais, zo, abinaka.
une petite jeune dame au Congo, congolaise, à Sakana Belgique, je ne sais pas si c'est en Belgique ou en France, abina kabwasal kabadans, ale kaka kutwa wazaka populaire, po azako bina na mwana moko ya mundele, ba invitaka, invitaka na ba chaîne awa. Mais cette fille-là, elle m'a étonnée, elle est jeune. J'ai vu cette fille-là, elle est allée visiter un orphelinat, elle a passé toute la journée avec des enfants. Moi, je me dis, mais au moins, t'as besoin de ce qui t'a dit, moi, conscient, boye, bah, ouais, bah, ou t'as rabapoto, hermoko, soi-disant, ok, vacances na Congo. Ok, vacances na Congo. Ok, batumi, bah, kenak na Congo, bah, comme ça, ranga. Ok, Congo, na vacances, au fan de li banganda, au fan de li bansele, au fan de li nini, nani, ni bandeko. Ou ti poto, pour que nous kota banganda Congo. Bou t'as rapoto, pour que nous fan na banganda Congo. Oh, ok, malouku, ok, nsele, toute la journée, tu passes dans les bêtises. Comme là, quand ma sang na banganda, tout ça. Ce qu'on dit quand même, parce que banganda, bon, t'y kakango na poto. Et ça, quand on dit qu'on a sang, on a ah, ma sang, mou koloko kende Congo, mou koloko ya awa, oko sepele, oko mou nanege toko me mawa, na Congo, ba restaurant, pe ya classe, koma. Nga bine, mena, ma chère, tu penses que moi, je suis comment? J'ai dit, nga masa wana fana kana Washington DC. Oyu Washington DC, capitale du monde. Ok? Quelques minutes, je suis à la Maison Blanche. Ici à Washington, nde esika ba restaurant nyonso ya mokili ya minene, ya luxe, olingi restaurant nyonso, ata New York awa. Esika ba biloko nyonso ya luxe, biloko nyonso ya mokili nan omona te, oko olinga, omona onde na Amerika. Washington, New York, Amerika. Donc, nana sa wana longwa lisusu Washington, pona kende Congo, po bino wana kotambu sakanga na banganda. Me di, c'est quoi ça comme bêtise? Nana ko longwa awa te, pona kende Congo, batume wana kotambu sakanga na ba, soi-disant ba restaurant. Est-ce que ba restaurant na Washington nende zangi? Ou bien ba boîte na Washington nende zangi? Parce que ba boîte so na lingi na kokota wana Washington. Ce ba restaurant de la lingi na kokota mwana Washington. Me na kotika Washington te, pona kende Congo, pona kende kokota ka babari ya Congo, na kende kuna, pona kende koeba nenge nini, nga na kokoka ko participer na quelque chose. Nga so na ke Congo, en tout cas, ne vous attendez pas wano mwana nga na banda kwa batwe, attendez-vous ke, na mwana kende ko partisa, na komando le kisabata nga na ba orphelina. Parce que j'aimerais bien quand même passer des journées avec des enfants congolais qui sont disparates, qui sont dans les misères. Qui aimerait bien passer. Oh, bah, mon akabatouté, panda. Ces enfants-là ne voient pas des adultes. Beaucoup dans les enfants-là, dans les orphelinats, ils ne voient pas les adultes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes toute la journée. Ce qui va y avoir, c'est que moutou moko koyan orphelinat, allé wana de babandi ko sala ba semblant, ba yisi mouba ke nekolata moua bilamba ya bien, ba la ki, babandi ko sala kola ba ki pakabango. Mais ces enfants-là sont abandonnés, ils sont là toutes seules toute la journée. Ils n'ont personne pour jouer avec. J'ai vu notre sœur là de Belgique, notre jeune dame là que je disais. Elle a passé toute sa journée à l'orphelinat, je pense que Zaki n'a pas décembre awa. Mais il faut voir comment elle a organisé des petits jeux avec des enfants. Des enfants étaient tellement contents, ils étaient avec elle, ils jouaient. Mais pourquoi vous n'organisez pas les choses comme ça, binoba mama, surtout ba mama Europe, bolinga okende Congo mingi. Amenez des petits jeux. Bon, Mimi va jouer, amener des jouets, aller passer des journées à l'orphelinat avec des enfants. Amenez vos enfants à l'orphelinat, qu'ils connaissent, ça veut dire quoi, service et chercher à être à côté de son peuple. Non, vous ne faites pas ça. Sokomi Congo, Okomi Kotambola na wakata banganda. Ozana Congo, kuna mama mukolo. Ozana soba photo, nenge nozaki na maluku, nenge nozaki na banganda, nenge nini ozalaki. Tala batu lokola ba Olive Lembe. Mikolo nyoso losambo. Olive Lembe zana na soi disant na orphelina. Orphelina nena goma ezwaka ezasuki na 500 non na 240 enfants. Vous pouvez me dire que Olive Lembe ne peut pas organiser que bana wana nyoso wana orphelina na ko malokola peut-être maison d'accueil. Na maison d'accueil na ewana Elle peut faire des démarches à partir de l'église parce que l'église n'est pas un so baye billet. Na kuna na goma kuna zako tonga cathédrale ya munene tellement to éviter mon konine ko sila parce que ekozwa tellement bon ebele. Est-ce que Olive Lembe ne peut pas influencer les gens des églises ko yebi se bango bimongo ke ngana za na orphelinat quand même orphelinat na ngai ezali na 250 enfants. Na orphelinat na ngai na ko sala ba programme.
na kosala ba programme ya koyeba comment est-ce que les gens qui veulent épauler peuvent venir adopter les nakati entourage na bango ya ba Olive Lembe wana quand même ye moko Olive Lembe a quoi adopter ta mwana moko ya congolais d'abord mi bala ta misato. Elle manque quoi pour adopter un ou deux enfants congolais? Elle manque quoi? Olive manque quoi pour adopter un ou deux enfants congolais afin d'en avoir un d'accord n'aille appeler sa bango bolingo parce que bazaba n'a congolais parce que bango baïba mbongo à Congo. Elle manque quoi? Elle manque rien. Si elle-même elle commence à adopter un enfant, deux enfants congolais, et c'est comme ça qu'on influence même ses amis. Ngai tala n'a adopté ba nabiso ba congolais parce que bazaba n'a nabiso. Est-ce que nakati nabiso na famille nabiso sœur nanga frère nanga que chacun prend un enfant à partir d'orphelinat nanga parce que peut-être osa na confiance à orphelinat na yo parce que bazako kambaba na ba famille si bana bien wana. Vous commencez à adopter les enfants congolais, c'est comme ça qu'un mouvement se crée et les choses commencent par là. Et après entourage nabino wana ya batunyon so wana ya bambongo wana bobani ko sala ba séminaire benga batuana solola na bango yebise bango bana reçoit ba congolais oyo tozwa ka bango nanu balongwa nanu na kati ya système ya orphelina parce que ce n'est pas un espace organique mwana moko takokola na kati orphelina ko li normal vous elle ne peut pas le faire non mais elle veut nous faire des semblants à za kan orphelina. Ofelina neta la bana ebele kuna. Okenda akakuna olie na bango repa, okangi photo mama wa roho, mama wa roho. Mais en même temps, ozali mama ya motema. Yo olive soki yo bala no batiba on ofelina osepe. Non, chaque enfant a besoin d'une structure de la famille. Moi na nyonso azali na besoin ya structure ya famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Maramutomo na kala mamboka wana. Les gens qui se prétendent être ba mama waro, ba matuo balingi bien en Congo, mais les choses simples qui sont de la base, les choses simples qui sont de la base, les choses que nous pouvons faire sans vraiment ekoya na ba résultat ba impact à long terme. Parce que si nous commençons à enlever ces enfants dans la rue, si nous commençons à enlever ces enfants dans le système d'orphelinat, sauf que tu vas dire que l'on la bango na ba place ya ngona, mais nous allons quand même impacter société na niveau quand même assez. Nous peut-être trop diminuer nan ba problème o toza na ngo ebele pe bana wana ba kokoma ba tout normal parce que ba kole na kata ba famille. Peut-être nous allons éviter les problèmes y a insécurité y a bakuluna parce que ba na tant ba ko bachege ba ko ba kuluna lobby ki kuluna ba ke kokotsa ba ona ba armée na armée ba ko mi biso ba violer ba ko mi ko beta biso ba ko mi ko boma biso c'est ça le cercle de ces problèmes. Tandis que si nous commençons à régler quand même les problèmes là dès les maintenant dès les bas, peut-être dans 25 ans, dans 30 ans, nous allons quand même voir les fruits de cette société congolaise. Mais nous n'allons pas s'asseoir ici, prétendre comme si c'est du normal. Mais nous avons des enfants congolais qui vivent, qui pourrissent dans les orphelinats. Sans suivi même ya gouvernement. Et l'on est comme ça, sans suivi même ya gouvernement. Parce que le gouvernement peut nous dire que baza peut-être n'a pas moyen té ya kozwa bana wana nyon soit chargé tout mais quand même ce sont les enfants congolais, ils ont droit comme tout autre citoyen. Le gouvernement devait quand même mettre une structure ya suivi ya hoyeba ba orphelina wana zalaka combien na Congo surtout na Kinshasa parce que Kinshasa est comme la capitale capital ya ba orphe kutu na kanisi kutu est de la république kutu kosa parce que ba orphelino to mona kana Kinshasa. Na ba quartier na ba lupango mona mama moko za na orphelina 20 bana 30 bana. Mais qui connaît combien des orphelinats comme ça existent d'abord au Congo? Qui connaît? Qui enregistre tous ces orphelinats? Qui connaît ce qui se passe dans ces orphelinats? Qui connaît même si ces enfants là ezabana ya solo ya lokuta ou bien on est en train d'exploiter les gens, on est en train d'exploiter ces enfants? Qui connaît? Personne. Sore bana congolais. Yango wana. Oye bisa nyakeru pe koto li solo ya mama baba orfele nyakeru alobio banango balobike bazala kabandoki. Tandis que nyakeru elle-même c'était une orpheline. Nyakeru za orpheline ya papa na mama. Nyakeru ba parane ba kufa kazaka na 9 mois. Nyakeru a été adopté na bandeko ne ba adopta bango et pa ya sango. Soki sango adopta ka ba nyakeru te. Est-ce que nyakeru linga kazala oyazali lelo?
C'est parce qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue, parce que Moutoumoko a payé sa kabango chance. Il y a quelqu'un qui leur a donné la chance. Ce qui s'y sango wana, y'a pas yoka qui azaki manipulé, ou bien y'a pas yoka ka masolo wana kolobakeo, bana bakoufeli baboti bazalaka bandoki. Est-ce que balinga ki, n'y a que balinga ki aza la sauver na bande konaye? Mais pourquoi est-ce que yo moko koutozala ki déjà na situation wana ke, on t'a adopté parce que tu as été orpheline, mais c'est toi qui continue à encourager ces idées que, ah, de toute façon, na kongo balwaka bana na baza bandoki. Mais toi, tu es mal placé pour dire ça. Tu es mal placé pour dire ça. Combien de bananes bandoki alors que yo moko ozaki na situation wana. Parce que si tu n'étais pas, si tu n'as pas eu la chance d'être adopté, on va koma yo pe chege. Oui, on va koma chege. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Les histoires des enfants congolais là, ça me dépasse moi, ça me dépasse. J'ai parlé à Nyakeru ici à Washington, ici à Washington. Na solola na Nyakeru reforme ya ba orfelina na makambu o ya bana ya ba shege. Na solola na ye. Se eza susi na bangote? Eza susi na bangote? Susi na bangote mukete? Me ifale ba Nyakeru ba kende kuna epa ya Kagame. Epa ya mwasi ya Kagame. Ok? Ifale ba kende kuna na go na Kigali. Pour pas qu'elle ne comprenne soi-disant nengenini association ya mwasi ya Kagame salak. C'est à Kigali là-bas qu'ils ont appris que au Kigali il y a même pas les orphelinats. Est-ce que vous savez que au Rwanda il y a pas des orphelinats? Na Rwanda bazana orphelinat, na Rwanda bazana système social. Oh, aussi il y a des enfants dont leurs parents sont morts, on les amène ba yakana bango na gouvernement na bango na association ya mwasi ya Kagame ba ça la structure. S'il y a des parents qui sont morts et que la famille ne peut pas l'extended family oyekoki ko s'occuper na bangote bayela ka bango bana wana et les enfants là le gouvernement ou na association ya mwasi ya Kagame s'en charge maintenant ko banda ko lukela bana wana ba famille est-ce que ba ko placer bango. Ils n'ont pas des orphelinats qui bazana orphelinat minene bana moko bafanda ka wana bazaka na ba parenté il y a personne qui les aime et tout. Non. Là-bas au Rwanda, il n'y en a pas ça. Les enfants qu'on les amène, s'ils sont 10 ou 15, bah, directement, ils vont dire qu'ils ont une famille. Si vous avez un système social, vous avez un système qui est placé dans la famille, moko bo ikingandi. Si vous avez un service social, 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 vous avez des difficultés, blablabla, vous avez un service social, 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 chez nous au Congo, il n'y en a pas. Donc, ce que moi je disais à Nyakeru ici à Washington, il fallait que ndeko yoka ngo kuna na Rwanda. Et voilà pourquoi est-ce que peut-être baninga baza un peu baza bakomi ko sala moi ba avancer ko le kabiso parce qu'ils ont compris que le problème des enfants des rues et le problème des enfants des orphelinats ça ne peut pas construire une nation. Les un pays dont les enfants sont dans la rue. Ou bien un pays où les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Vous attendez à construire quelle nation demain? Vous attendez à construire quelle nation? On ne peut pas construire une nation avec la fondation donc majoritaire. Le Taliban na ya ba Congolais ne baza ba chege ebele. Bana ba Congolais baza ba chege ebele. Too many. Il y en a tellement beaucoup. Ce qui est même grave na ba pardonnez-moi. Na ba Kinshasa et comment au moins napenda bana mike bashege na balabala na Kinshasa bana misusu bashege ya ba 2 ans 3 ans balali na balabala les gens passent les Congolais passent et ils voient ces enfants là c'est comme si c'est du normal. Atika na yo kokabano yo bana bakoma kaka boy bakoma ebele kutu na balabala c'est du normal, ça devient du normal pour les adultes congolais de voir un enfant de 2 3 ans alali na zandu il n'a rien à manger batu bazako nyataye alali pembeni ya bus ezana muninga na somo ka kende Kinshasa amoni mwana moko alala pendana re ya bus
tala ba tebele ba fane bon arrêt bisi ba oza na mobisi tala bon yel bineno to zera no tala mwana lali wana babi ah mama yoko kama kamboy Kinshasa c'est comme kaka boy bana ngoba koma kolala kaka partout c'est comme si on est même tenté de blâmer cet enfant de 3 ans que bana ngoba koma kaka kolala partout mais est-ce que vous vous rendez compte que cette petite là elle a 3 ans my god regardez comment est-ce qu'on est en train de nous conditionner de nous faire croire que ces choses comme ça, ce sont les choses normales. Les Congolais passent dans les rues, ils voient des enfants qui dorment dans les rues, c'est du normal. Ça veut dire que bazo koko misabiso toko mana motema ya bonyama, toko mi ba nyama ya zamba, on s'en fout. Donc toza na bolingo li susute, empathie ezali susute, il y a pas d'amour, il y a rien. Parce que si tu vois un enfant de 3 ans dormir dans la rue et que motema na yo ezokite, ozali susumutute. Parce que okomi komona ngo komi normal, olobi ke ah bana ngo ekomaka kaboye. Ah bon. Wow. Bota la bamboka ngo ba niveau to komi. Bamboka ngo ba niveau to komi nde yango wana. Les mamas congolaises, l'avenir de ces pays-là, elle n'est pas bonne. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans ces pays-là, je vous dis, pona lelo ataku tu balobi ke to sali révolution, to longola ba te bele bele. Je vous dis, si tout le monde se met au travail, on pourrait peut-être avoir des résultats un peu oyo kaka. Moi normal dans 10 ans. Mais si tout le monde ne se met pas au travail, en tout cas, ce qui est l'autre, le régime est changé. Et vous avez 30 ans, 40 ans. Parce que le modèle congolais, le bébé, c'est congolais, mon tout. Hein? Modèle, le bébé, c'est congolais, mon tout. C'est grave. Nous, on croyait que bah, peut-être bah, que bah, ça parce que bah, on bah, diaspora, bah, on bah, changer mboka, bah, on bah, keikuna, bah, on bah, kosala boye, bah, on bah, outa ki bah, poto. Nous, on croyait que ces gens-là, quand même, ont quand même un peu de notion, ya, bah, basics, bah, base, ya société. Qu'est-ce qui construit la société à la base? Qu'est-ce qui construit la société à la base? Qu'est-ce qui construit la société à la base? Réforme à taille, les gens qui ne comprennent même pas réforme à taille, il y a les enfants de la rue au bio orphelinat. Et là, on a orphelinat, réforme à orphelinat, et c'est là qu'on a beaucoup de Congolais, ceux qui ont été dans le gouvernement, ceux qui sont responsables. Si on avait quand même un gouvernement qui était responsable, et qu'on peut quand même amener ces projets, bandime libiso. Donc c'est vraiment peut-être un bon côté. Nous n'avons pas besoin de leur argent. Nous avons seulement besoin bandime libiso. Toya, to s'installer. Toya banengeni ni tokosa la réforme et les kamboyo ya bashege. Parce que si c'est l'argent, on peut mobiliser l'argent à partir du dehors. Hein? Oui. Il y a la diaspora, elle est nombreuse. Ceux qui tosa pena na projet ok peut-être bandime le soto ya na Congo to ya kosa la réforme ya structure ya orphelinat ou bien makambi bana bashege oyo on peut le faire même pas avec l'appui financier du gouvernement on peut le faire avec l'appui de la diaspora peut-être financièrement mais quand même appui gouvernemental ça veut dire que bandime la bino boya kosa la moi musala wana mais lelo ata lelo na gouvernement lelo ya Congo lelo vous savez que même son même projet oyo eza bien pour la société ba kondime la ote au Congo aujourd'hui son ke yo le bio oye na projet oya kosa la projet pour na Congo pour na makambu ya ba kondime la yote parce que les gens qui sont d'abord au pouvoir balingite mutu mususu ya kosa la soi-disant so critique ka déjà mokondi on ne peut pas. Vous savez que c'est tellement grave au Congo. Soit disant aux combattants et qu'ils critiquent le pouvoir et que aussi au Loba Marambia Félix Tshisekedi au Congo là-bas tout est bloqué. On ne peut même pas t'accepter de rien faire. Même si on a qui na projet à société oyo eko ya ko sali sa population. Ba holinga te au sala. Soit disant aux combattants au finga ka mokondi. Hein? Bako linga pete oya ko sala ngo pase ke bango moko ba yebike bango moko bazaba incompetent soki batike lio sala et que soit disant okomela bango ngenge okomela bango succès donc personne ne peut faire au Congo soit disant okomela bango succès okomela bango ngenge pour détruire population parce que ma population comment na ke yo komi ko sala alors que population soit disant zaki ko satan de bango ba sala et comme Sony
So kwa zana proje weko yako bongi samboka, po na bango yako misoni, okiko yako exekite angote, po swa dizan, okolia bango ngenge. Vous vous rendez compte, tozana kati ya mboka oyo, même un citoyen qui veut vraiment venir travailler sur les projets qui sont ya basics, bako lingate weko sala babi okolia bango ngenge. Alors que Congo eza ya biso nyonso. Nous sommes tous des citoyens. Ceux qui n'ont pas un projet, n'ont pas eu qu'il y a quelque chose dans le monde. Pourquoi je ne peux pas venir faire? Oh, au relia bangongenge. Eh, pourquoi tu n'as pas un projet? C'est pour ça que je disais, si quand même ce pays-là était un peu responsable, ceux qui voient que vous ne pouvez pas faire, laissez les gens qui peuvent faire venir, donnez-nous l'espace. Nous allons faire la réforme et il y a pas problème il y a pas orphelinat parce que nous avons les soucis de nos enfants congolais, ce n'est pas normal. Bana ba congolais ba banda kolala kana banzela balala kana ba orphelinat toute leur vie, les enfants congolais dorment dans les orphelinats toute leur vie. Dans ces orphelinats là, il y a des bébés que personne ne porte. Ces bébés là pleure toute la nuit. Ti bébé a leli, ti bébé a lali pongi, likolo ya kolela. Bébé ba bébé na poto awa ou bien bébé normal na kati ndako moboti na ye, alala kapaske baza ko berseye. Bébé za na bezo ba berseye, a sentir sécurité wana, a sentir amour, a sentir chaleur. Mais les bébés congolais nakata ba orphelina ba lelaka bébé aleli po mututa zo ki paye mututa donc ba fandi si kaka wana bébé aleli mnama ya misu na miyoyo sangani ti bébé asoka zaki kaka ya kofanda ba bébé wana ba fanda kawana ya sika eh azana petena ba 6 mois 7 mois na biko ngulumate ba fandi saka bango kaka boy pa ba fandi si wana fanda makelele boye kolela lela boye nini. Aussi, on lia qui va passer qui au potopoto. Peut-être que tu vas passer qui au potopoto. Peut-être bébé azananzala. Peut-être bébé azaka qui a besoin d'amour. Alingi qui a besoin de maïe. Bafandi, ba mema kabangote. Il y a personne là-bas pour porter ses bébés ou bien bercer ses bébés. Donc bébé a kolela, bébé a bimimi yoyo, bébé a bimima yamisu. Ti bébé a lembi kolela, alali likolo ya kolemba kolela. Maintenant, vous allez me dire que cet enfant qui pleure comme ça tous les jours, qui pleure, mais cet enfant va grandir avec la haine. Parce que bébé, wana a retiré la mémoire, wana ke, tant qu'on a kolela, moutouta zaki ko berseye, et elle pleurait. Cet enfant va grandir, même si a coli, même si quelqu'un venait adopter cet enfant un jour, cet enfant ne sera pas normal comme tout un autre enfant. Bébé, on a besoin d'amour, patience. Donc, moutou, il faut, ce qu'a adopté bébé, wana, il faut azala moutou ya moté mamoné, parce que, moi, on a koyana ba comportement moko boye, ce qu'on a moutou ya bolingote, on a moutou ya spiritualité, te, oko ekanisa ke bébé, on a zandoki. Alors que bébé a zandoki te, bébé a zakaka, na ba angoisse, na ba frustration à vie, oh bébé a yeba kite, comment s'exprimer, tant azaki bébé a zaki toujours na kanda, azaka toujours na kanda, parce que bébé a kanisa kaka ninge, azaka kofanda yemoko, azako lela yemoko. So ki boko kokate, bo fungo la porte ya, na ba diaspora, ba mama diaspora na bi ke toze bele awa. Bah ma diaspora toza tellement belle so ki to komi projet o ya ba ya ko restructurer nani système na biso wana ya ba chege na ba orphelina ay comment est-ce que nous pouvons peut-être influencer savoir comment to ko bana ko lokela bana na banda ko est-ce que ba bana ko accepter bango non on peut travailler on peut travailler. Les femmes de la diaspora sont capables de le faire ce travail. Même sans votre appui financier, nous n'avons pas besoin de l'appui financier du gouvernement. Nous avons seulement besoin que vous, les gouvernement ne freinent pas les programmes des autres. Parce que kuna koma soki, un programme, il faut un appui à maman Mokondi, il faut un appui à papa Mokondi. Oh, nous sommes venus accompagner le programme des chefs de l'État. Quel programme accompagner chef de l'État? Donc, pour passer au Congo maintenant, il faut avoir ce genre de langage. Nous sommes venus accompagner les programmes des chefs de l'État. Quel programme des chefs de l'État? Donc, nous, la diaspora, nous ne pouvons pas venir installer aussi programme au Ekiko et Deba dans la vie de la Congolais sans qu'on ait flatté Bato. Parce que si vous flattez, vous avez un programme de bien-être.
Si vous n'aimez pas les enfants congolais, laissez quand même les autres qui aiment les enfants congolais venir faire quand même. Si vous ne vous souciez pas de l'avenir des enfants des Congolais, laissez ceux qui ont ce cœur-là de venir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner ces programmes-là, venir faire. Hmm? Croyez-moi, ceux qui sont congolais, ils ba diaspora, baya ko réformer et l'okoana, on peut le faire, on peut le faire. Oui, on peut le faire. On peut le faire. Mais bon, lingate, parce que soi-disant, tu as lié à Binongeng. En même temps, ce sont les enfants congolais qui souffrent, qui restent comme ça dans les orphelinats. Ils sont restés là-bas pour mourir. Hein? Certains bébés sont malades. Donc, à ta gouvernement, il y a un orphelinat qui est combien? Ba bébé combien? Ba âge boy combien? Donc, ba bébé wana à cause de la wana, lokola ba bébé mususu, ba zalaka ba belaka, à cause de la fièvre wana, à cause de la fièvre toute la journée, à cause de la fièvre toute la nuit, fièvre pe le kiepe, à kacho pe akoufi. Akoufi, ba koufa ka boye kaka, lokola ba soso. Hmm? Hey! Wow! Hmm? Mes chers amis, soyez botali ba documentaire ba les enfants soi-disant sorciers congolais, accusés sorciers au Congo, soyez botali ba documentaire ba na ba chege na Congo, soyez botali ba documentaire comment est-ce que c'est un problème sérieux chez nous, je vous dis. Hmm? Et ce sont des petites filles là qui grandissent dans les environnements comme ça, hein, où il y a pas d'amour et tout, ça va 12 ans, 9 ans, 13 ans, 8 ans, Hakimi ya kena balabala, bana ba 8 ans ba komi ko se faire violer na ba balabala, bana ba 12 ans, 13 ans, bana ba 12 ans ba yusa bino ke akomane ko sala, na sala na osa nanga kindumba. Eh, na koma ko teka nzote pa ba soda. Mm. Ne, nasala nini, tokoma koteka banzoto. Eh, mama, mobali nangala atia kinga zemi. Tala mwana mukia duza, tala zemi. Eh? Eh, wow. Hmm? Mes chers amis, c'était un peu ça. Nangana bisabino kaka ke, oui, même si même si on veut le faire, même si on veut aider, hein, à voir comment est-ce que... Parce que, batumingi bakanisaka ke, oh, na ke orphelina, na ke kuna, na ke kopesa mbongo, na ke kopesa bilo kwa kolia. Mais ça, ce ne sont pas des solutions à long terme. Nous ne sommes pas en train de chercher les solutions comme ça. Tore ndeko lia sabana wana, na kende kutuna kotika mambasake madesu, na kende kikuna kotika basake aloso, na kende kotika la ba orphelin bilamba. Non! Nous voulons une réforme. Tolingi ke, c'est à la système. Toeba ke, bana oyo, yaba orphelin, bayaka na orphelina peut-être ezali pour quelques, eza place ya transition, aye awa pour quelques mois, na quelques mois wana toza na service social awa, toza na ba service awa, oyo kenda koluke la bango e bandaku. Koko tsa bango na ba fami, bazo nga nakata ba fami. Parce que la place des enfants, c'est dans la famille. Les enfants ne peuvent pas vivre comme des animaux dans la forêt. Leur place, c'est dans la famille, dans les familles. Comment est-ce que les services sociaux wana eko kubanda ko travailler na ba église? Comment est-ce que ko banda ko travailler na ba association mususu oyebi ko placer bana wana na kata ba famille? Comment est-ce que les services wana eko banda ko sala ba follow up ko s'assurer que bana wana baza ko tina na kata ba famille, baza ko vivre bien? Est-ce que les familles là sont été préparées? Est-ce que même s'ils sont préparés, est-ce que ko banda ko continuer ko pesa bango matière, formation, ya ba situation baza ko vivre na bana wana? Hmm? Société zalaganengeni. Comment est-ce que société mon batoko fanda botozo mon angoza normal ke tozara na ba orphelina bat bakinotika kaka made sukuna bat bakinotika kaka babilamba kuna et les enfants vivent là-bas seuls. Ce qui arrive à ces enfants là demain, ça ne te concerne pas. Toi, ça te concerne seulement lorsque tu vas donner tes arachides. Mais lorsque tu quittes là, tu ne sais pas ce qui va arriver à ces enfants, s'ils vont mourir demain, si on va les violer demain, si on... tu ne sais pas. Eh hey! Et nous trouvons ça c'est normal. Et anormal t'es. Mugolo Congo est délivré ou bien mugolo Congo est Congo. Ngamo na kundo adopté bana Congolais. Mm, parce que baba na biso ba Congoman. Mhm. Ngana adopté bana ba Congoman. Je vais m'adopter deux ou trois petites filles. Mhm. Na ono kuzoma kuna na ba Congo. Eh? Je vais m'adopter deux ou trois petites filles. Mhm. Oui. Baza na besoin na biso ba Congolais. Mhm.
Jésus, ce qui va faire ça, c'est chance à Joseph. N'alinga comme à Jésus, au télo, au lelo, bolinga, kalelo. Jésus, alléluia, qu'est mon Yesu. Sans Yesu, vie exacte. Yesu, njo chefu. C'est Jésus, Joseph a d'attaquer. N'alinga, bolinga, bolinga, Jésus. Bolinga, bolinga, Jésus, t'es. Ce qui Moïse, ba adopta qui était na moi na ya roi. De Moïse a sauvé le peuple na yete. Moïse a comme Moïse parce que il a eu la chance d'être adopté par la princesse. Ce peu princesse a zara monté mama bene tibino bokoma bata monté mama be bata église. Eh, banana banana kokokate, banana ba kindo kito, batona ba personnage biblique ar bonge boy babango. Bonge boy babango te. Ce qui nyakeru ba adopta ka yete na nanani na sango. Est-ce que Nyakeru a comme le première dame? Ce Nyakeru, sans adopter ka bangote na baserna, ndé lelo bazabatu. Na bazabatu te? Ça veut dire que nous devons nous donner la chance, il faut donner la chance aux autres. Batumi boye bakate ke mwana bota makaka na vagin te. Les enfants ne sont pas toujours nés dans les vagins. Il y a des enfants qui sont nés de notre âme. You can adopt a child and love that child and that child can come from your soul. Akobota manakati ya es molimo na yo. Les enfants ne sont pas seulement nés du vagin. Qui vous a dit ça? Jésus n'était pas né du sperme, soi-disant de Joseph. Mais Joseph l'a adopté et l'a aimé, lui a montré du travail même. Il faut comprendre les choses autrement. Bota la ba documentaire, il y a les enfants de la rue, il y a Bachege. Donc ça va nous faire réfléchir. Mais quelque part, je voulais aussi vous dire que nous devons commencer à réfléchir comment est-ce que nos ancêtres ont fait. Parce que le problème est que chez Gwana, il y a un problème qui est après, il y a un système na bango. Système politique, un système de religion. Avant, le système à Mindele s'installait par Nabiso, on n'avait pas les enfants de la rue, hein? On n'avait pas les chegues. Et vous n'allez pas me convaincre qu'à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas de parents qui mouraient, il n'y avait pas la pauvreté. Il y en avait. Mais pourquoi on n'avait pas les chègues? Et pourquoi on n'avait pas les enfants de la rue? Pourquoi on n'avait pas les orphelinats? Hein? Vous allez comprendre que, bako konabiso, bazaraka maye le kolekabiso. Parce qu'ils savaient que, problème à orphelinat, orphelinés allaient placiter au banabako ko kolela, ou bien ko développer. Ok? Ba mindele batba yela bino programme à orphelinat. Ba ngomo ko lelo na ba poto, ah, est-ce qu'on a fait en Amérique? Na vite en Europe. Mais na Amérique, est-ce qu'on a fait? Ba mindelo ba yela kapso orphelina soit disant na Congo na Afrique wana ba homo ko ba sala kapso orphelina te ba koma ko comprendre que mwana ki jamais ko développer na kata orphelina ba koma ko comprendre que les enfants doivent être remis dans les familles, il faut ba fana na structure ya famille. Oui, gouvernement congolais soki boza ba irresponsable bolingi ko sala structure ya kubongisa système wana te ya orphelina. Ah, mais donner quand même l'ouverture aux Congolais qui sont à l'étranger, s'ils veulent venir adopter les enfants congolais, faites ce système que ça soit au moins facile. Donnez cette facilité aux Congolais qui sont à l'étranger de venir adopter les enfants congolais s'ils veulent adopter les enfants congolais. Système à adoption, passe. Système union, mais finalement, tout, partout, c'est du blocage, c'est du découragement. Anyway, mes chers amis, c'était un peu ça. Je voulais seulement vous dire que nazai kota ba documentaire awa, et puis si nga monte ma passe, et puis si nga choc, je voulais seulement partager ça avec vous. Bonne nuit chez vous. Bye bye yo.